À côté de ces cas de meurtre, la société civile n'a cessé d'être alertée sur les cas récurrents de viols de femmes, d'occupation illégale des parcelles, des militaires qui sont en train d'occuper les parcelles des civils et ils les habitent vraiment comme on dirait des propriétaires. Et quand les propriétaires arrivent, il y en a qui sont en train de construire des maisonnettes dans la même parcelle sans permission ou occuper une des chambres de la parcelle, ce qu'on appelle communément, jargon local, les châteaux. Et les militaires restent dans ces maisons en train de l'occuper. Et la population a peur de cohabiter avec ces genres de militaires qui viennent habiter sans permission ni autorisation des propriétaires de la parcelle. D'ailleurs, la population est en train d'alerter sur des probables enterrements clandestins dans la position militaire de Miak. La situation de Butembo, en tout cas nous demandons aux autorités militaires et aux autorités administratives de renouer le mariage civilo-militaire, renouer la proximité avec la population et cela en relevant les militaires qui sont commis dans la partie nord. Parce qu'ils sont en train vraiment de commettre des cas de violation très graves contre les civils. Et nous pensons qu'il faut les enlever de là et les amener dans d'autres endroits. Sinon, ils risquent de se réveiller un moment quand la population a décidé de ne plus coopérer avec son armée.